Lynx, t'es un con, un vieux con, t'es un gros con, t'es Lynx, t'as un petit cul, mais t'es un gros con. Enfin savoir prendre de bonnes résolutions. Non, au confinateur, on n'a rien à foutre de sa plastique. Il fume, il boit, il mange, il devient un gros porc. Il reste opposé la pistolant pathétique. Comme un audible de mauvais goût dans le décor. Mauvais goût, le thé d'or. La première semaine, j'ai repris le sport. J'ai arrêté la clope, l'alcool et même le porc. La deuxième semaine, j'ai repris le porc. L'alcool parce que j'aime, mais j'ai arrêté le sport. Hitburger et son sponsor. Ivre chance le confinateur. Vomis partout par terre et pis dans les tuyas. Il devient fou, faut qu'il prenne l'aile, alors il sort pour saluer son grand-père, sa grand-mère et son papa. Et salut papa, quand donc tu vas? Dis-moi, pas trop confiné là, non? Pas trop à l'étroit. Salut papy. Hey, bonjour mamie. Dites-moi, il vous manque pas trop l'inspecteur Barnaby? Confinateur parle aux morts. Le confinement, la première semaine, ça passe. La deuxième semaine, on met des choses en place, ça passe. Et puis, la troisième semaine, ben, on commence un peu à s'enculer. La situation inédite permet des expériences insolites. Découvrir stupéfait notre vulnérabilité, notre fragilité. Nos compassions faciles, même si t'es des humeurs, la ville des villes. Pas facile, sans style de nos concitoyens. Nos mitoyens, y'a trop moyen. Qui font des colères comme des enfants gâtés. Moi, le premier, on m'a enlevé mon rocher. Alors je me sers la ceinture et Aurel se sert de la ceinture de Miché. Et là, tu vas apprendre l'humilité. Chez vous, où je vous colle une prune. Satanem droitum surveillam confinatus divina missione gravis magna timor la poli. De ce confinement. Cette chanson est beaucoup trop longue. Heureusement, Georges va lui donner un nouveau souffle grâce à un petit solo dont il a le secret. Merci Georges.